Alors, je m'appelle Madame Fatoumata Bintou Diédiou. Je suis la responsable de la jeunesse féminine de la région de Sédiou. Je suis au même moment la chargée de communication du bureau des femmes de la région de Sédiou. Pour les échéances à venir, je suis la coordonnatrice départementale du parrainage de Sédiou. Hein. Et voilà. Chers camarades, nous nous présentons devant vous en ce jour dans des circonstances qui n'étaient pas envisagées dans le processus que nous avons entamé ensemble et que nous allons terminer ensemble. En effet, loin d'être unis autour d'une personne ou un groupe, ce sont des valeurs, des idéologies communes pour le bien-être de notre pays qui nous ont fait converger. Et ces valeurs, ces idéologies, ces objectifs, nous n'y dérogerons jamais. Nous nous devons de les vivre, de les préserver, de les défendre. Ils nous ont menés à l'UCS dans lequel nous n'avons cessé de combattre pour elles. Dans cette dynamique, nous avions en avant notre président Abdoulaye Baldé, pour lequel nous avons toujours eu beaucoup de respect, d'estime et de confiance que j'avoue, il nous a toujours rendu en retour. Il se trouve cependant qu'aujourd'hui, pour des raisons sur lesquelles je préfère ne pas m'apesantir, notre leader a pris une orientation, des choix que nous ne jugeons pas en adéquation avec le combat que nous menons et remet en cause les valeurs, les idéologies que nous défendons. Lors du Conseil national qui s'est tenu à Dakar, précisément à la place du Souvenir, le vendredi 30 novembre 2018, au cours duquel le président Abdoulaye Baldé a fait l'annonce officielle de sa décision de soutenir l'APR ou le président Macky Sall, qui n'a, je le répète, pas fait l'objet de consultations ni de partage avec ses proches collaborateurs. Certains responsables, dont celui départemental de Sédiou, ont osé déclarer l'adhésion de toute leur localité à ce choix en déclarant porter en ce moment notre voix, ce qui est inexact et dénoué de tout respect pour la base. Pour ma part, et bon nombre de nos camarades ici présents, ce sont des valeurs et idéologies qui nous déterminent et ont poussé les populations à adhérer à notre vision pour le développement de nos localités respectives et de notre nation. Et en ce sens, nous y restons fidèles et comptons les défendre dignement jusqu'au bout. C'est pour dire que nous ne suivrons pas le président Abdoulaye Baldé dans ce choix et que nous comptons poursuivre l'engagement qui nous a menés aujourd'hui à ce stade et qui a fait naître une lueur d'espoir aux populations et que nous n'avons pas le droit de transformer en illusion. Le temps ne nous est pas favorable en termes d'options d'ici les élections présidentielles. Cependant, ce que je puisse vous assurer, c'est que le travail jusque-là abattu ne sera pas vain et incessamment nous partagerons avec vous les jalons et les orientations qui nous permettront une prise en compte de nos préoccupations à l'issue de ces élections présidentielles, mais aussi des législatives et des municipales à venir dans le respect de notre éthique, de nos valeurs et de nos objectifs de développement de nos localités respectives, la prise en charge des préoccupations des populations, l'autonomie des populations qui passera par l'éducation, la formation, l'encadrement, l'entrepreneuriat et par conséquent le développement de notre nation. J'en appelle ainsi à la sérénité, à la cohésion autour de l'essentiel, mais surtout à un regain d'engouement dans la continuité des actions entreprises. Je ne pourrais vous dire non par rapport à ça, vu la situation, parce que nous n'avons pas été consultés à la base. Et quand on parle d'un parti politique, il faut d'abord des décisions, ça ne se prend pas à la hâte, et ni à quelques jours des élections. Pour nous,
il pouvait être plus, en tout cas, plus respectueux de descendre à la base, de consulter d'abord à la base, de voir quelle réponse lui donnerait la base avant de prendre une telle décision. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes sollicité par d'autres partis de l'opposition, vous allez y aller? Bon, pour le moment, Lamine, nous sommes dans le parti. Nous sommes des centristes et nous nous sentons centristes. Et je dirais que nous, ce que nous déplorons, c'est cet acte, c'est ce projet de soutien au candidat Macky Sall. C'est ce que nous déplorons. Parce que nous n'avons pas travaillé durant des années pour ça. Nous avons travaillé toutes ces années pour soutenir le candidat Abdoulaye Baldé. Donc vous allez travailler dans le parti pour que ce soutien n'ait pas lieu? Non. C'est un projet qui, aujourd'hui, je vais le dire haut et fort, nous allons geler nos activités par rapport à ce projet. Maintenant, nos objectifs qui nous ont amenés jusqu'ici, nous n'allons pas déroger à ces objectifs-là. Nous allons y aller jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, nous voulons un candidat à la présidentielle. Nous sommes des opposants pour ce régime actuel. Pour ces élections à venir, nous sommes opposants. Et c'est le travail que nous avons fait jusque-là, c'est un travail qui, en tout cas, décrit le système actuel. Donc nous ne pourrons pas, en tout cas, ceux qui ont le courage de soutenir, en tout cas, ce projet... ils ont leur raison, ils peuvent avoir ce courage-là, mais nous qui avons refusé catégoriquement ce projet, nous ne pourrons pas, en tout cas, revenir à la base pour vraiment aller à l'encontre de nos discours précédents, de ce que nous avons pu dire, de ce que nous avons pu les convaincre jusque-là. En tout cas, ce courage-là, nous ne l'avons pas. Est-ce que justement vous pensez que cette décision de Abdoulaye Baldé et de l'ICS ça a été précipitée et prise en cachette? Oui. Pour nous, c'est une décision bien précipitée. Et il faut dire la vérité. Ça a été caché parce que nous, on a eu l'information le jour du congrès, le jour du Conseil national. C'est ce jour-là qu'on nous a balancé l'information. Et donc, c'est quelque chose qui, malgré les rumeurs qui se disaient, nous qui sommes dans le système du parti, nous ne pouvons pas croire à cela. Parce qu'on savait ce qu'on faisait. On savait ce en quoi on faisait allusion. Donc, franchement, c'est quelque chose qui nous a surpris. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Et vous considérez ça comme un manque de respect, de considération? Ah oui, je l'ai dit dans mon discours, parce que nous ne sommes rien sans notre base. Et aujourd'hui, si nous ne consultons pas nos bases politiques, une information pareille qui vient au pif comme ça peut décourager beaucoup de gens. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est retenir nos bases. Si notre base n'est pas d'accord avec cette décision, nous ne pouvons aller contre cela. Wow, Teddy, suñu parti bi dafa am touti yëngu-yëngu. Moy tay suñu candidat président Abdoulaye Baldé dafa jël décision soutenir le candidat Macky Sall. Té ñun décision bobu consulté wuñu ci décision bobu dañu ñëw rek ci Conseil national biñu woté Dakar ci place du souvenir le 30 novembre bi passé ñi xamal ñu décision bi mu xamal ñu ni décision bi la jël ak lan lañ ci xalaat xam nga mëno ñëw nga wo nit ki rek wax ko lu melni rek nga ne ko lan nga ci xalaat ci saasi waye am na ño xamné dañu am fit bay bëgg dé ñu melni porte-parole région yu bare sur les 14 régions ñaar ñoo ci tak seen fit wax ni ñom d'accord ñu ci anduñu ci tay anduñu ci suba il faut que ñu dem consulter seen base mais ñu ci bare y compris suñu porte-parole au niveau de la région de Sédhiou
Nous avons sañ sañ wax ni ñom tous séju est d'accord avec cette décision. Lolu amul. Lolu amul, tay amul suba. Té ñun projet bobu dina tax ñun ñi gelé suñu ay activités ci parti bi. Jusqu'à ce que suñu xalaat yi déllu nek ben. Parce que ñun dañu né candidat lañu am pour élection présidentielle té dañ ci yag ligéy ay at ba tay ji. Té dinañ ko continuer parce que ñun suñu xel moy candidat le 24 février 2019 candidat lañu am buñuy défendre bo xamantene dina fi nekkal askan bi dina safara problème ñi ñi té actuellement hein système bi nga xamantene tay ji ñi ñi d'accordu ñu ci hein mu ñu solutionnel lu mel non té paré légui ban décision ñi jël ci xamé ni lu dess ko élection yi dafa bëre tan tay est-ce que envisagez ngeen votre sanction sanctionner justement parce que nous faut que le leader ko won pour di appeler ban de choisir. Ah lolou mom fu mu tollu ni duma né dinañ man personnellement duma wax au nom des gens de tout le monde de tous ces gens qui ont refusé catégoriquement ni dinañ sanctionner mais lima xam ba xam moy base bi d'accordul ñun suñu bok ñun ñi bañ suñu ay base d'accorduñu té mënu ñu léna téré voter candidat bo xamné opposition la nek dina mengo ak liñu bëgg liñu yotu ci le 24 février 2019. Le reproche justement décision à place mal débe dans la dafa yëf ko yakamti té bi lañu neubatu ñu jël ko daf ko yakamti parce que boy ligéy ak ay nit dafa baax bo amé décision yu important yu melni nga xamal len ko xeyna nu mu bon dina am xalaat bu ñuy yok ci yow sa xalaat ngeen waxtaan parce que bo xolé comme niko olof yi di waxé xeyna rero amul ñak dego mo am donc tay buñu togon waxtaan dinañ ko wax ñun luñ ci xalaat té mom dina def analyse par rapport à tous ses leaders à toute sa base nuñ ci xalaat mu def le pour et le contre mais daf ko bruce daf en fait ce n'est même pas le moment fiñu tollu ni suba la élection yi ñun liñu liggéey ba légui du li la même solution bi té andoré nak Abdoulaye Balde kan ngeen fassiyene andal té amuñu kenn kuñu fassiyene andal fumu tollu ni ñun mom lañu gëm mom moy suñu candidat tay projet bi mu jël moy projet wu jappalé candidat président Macky Sall ñun anduñu ci amna bok ñu ci and xawma ndax deug la wala ci seen deug lañ nek wala dañ koy nax mais ñun mom dañu jël suñu courage à deux mains wax ko ni anduñu ci duñu wax ci suuf dañ koy wax ci kaw ñepp deug ko deug dañ di gelé seen activité ci biir parti waw ñun fu mu tollu ni mom ci projet bi mom tank mu ngi wey xeyna après le 24 février 2019 dinañ ci waxtanaat xeyna dinañu dégo wayé fi mu nek ni projet bi mu japp ni ñun dañuy gelé suñu activité yi ci parti bi. OK justement